Yuji Itadori est le seul qui a une chance face à Sukuna et je vais t'expliquer pourquoi. Attention, il y aura du spoil. Comme vous le savez les gars, Sukuna est le plus fort dans Jujutsu Kaisen. Il a vaincu Gojo Satoru et aucun personnage ne semble pouvoir atteindre son niveau. Seulement Yuji semble avoir le potentiel de le vaincre pour une raison très simple. Et cette raison est que les attaques de Sukuna n'ont pas 100% de leur efficience face à Yuji. Yuji est le seul qui peut résister aux attaques de Sukuna, voire y être immunisé. Dans le chapitre 235, Gojo disait qu'il a pu résister à son attaque violet, car étant donné que c'est sa propre énergie occulte, les dégâts sont considérablement réduits. Or, nous savons que Yuji est comme un objet maudit qui a été baigné dans l'énergie occulte de Sukuna. Par conséquent, Yuji et Sukuna, dans un sens, partagent la même énergie occulte. Yuji aura donc très certainement la possibilité de résister aux attaques de Sukuna qui coucherait instantanément n'importe quel autre personnage. Donc pour cette raison, les gars, je pense que